Ben Oaza, c'était un film assez spontané parce que c'est une personne que j'ai rencontrée juste après le départ de Ben Ali, au moment un peu des manifestations, quand le pays commençait un peu à émerger du choc de l'annonce. Et en fait, il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est passé avec cette personne et on a foncé comme ça toutes les deux. Ça s'est décidé en une heure de temps, on a foncé, donc il n'y avait rien de prémédité à aucun moment. Aucun moment. Et en fait, on se recontactait, il y a eu une relation un peu téléphonique. Et puis de temps en temps, je lui disais, bon, ben, ça fait 2 mois que je ne t'ai pas vu, je viens demain, je viens après-demain. Et on a fait ça pendant un an et presque et demi, un peu moins que demi. C'est peut-être, c'est pas orphelin parce qu'on ne regrette pas le père. Ben Ali, mais c'est, disons que la première émotion qu'on a après, c'est le vide. Après le départ d'un dictateur qui était là pour nous de manière inéluctable, on s'imaginait pas une seule seconde qu'il allait partir. Ça a été un coup de massue pour tout le monde et il y a un instant de vide. Et c'est assez étrange parce que dans cet instant de vide, tu te sens un peu seul. Tu n'as plus de président. Il y a plus de... Et c'est quand même un pays qui sort de 50 ans de dictature. C'est pas rien. On a de la chance de la vivre. Après, le plus dur, c'est la reconstruction. Parce que la chose aussi qui est superbe, qui est une émotion qui est superbe, c'est... Après la révolution, à un moment, on se dit, on va avoir le droit à tout. Et chacun a rêvé la Tunisie comme il la veut. Tu sais, c'est comme un pays qui est vierge maintenant. C'était joyeux, éprouvant et touchant. Bouleversant. Chaque soir, à chaque fois que je rentrais d'une journée ou de moments passés avec elle, je rentrais très, extrêmement émotionnellement perturbée. Elle m'a fait vivre des choses que je ne soupçonnais pas. Elle a été entière avec moi, elle s'est donnée dans des choses très intimes. Et puis je pense que fréquenter quelqu'un qui est dans la misère humaine, sur une longue misère sociale et misère humaine, puisque sa douleur, elle est en elle, mais elle est aussi provoquée par le système social du pays. Et ça te plonge et ça te fait enlever tous les a priori que tu peux avoir. C'est une dame qui a quand même abandonné deux de ses enfants. Au début, on se dit, comment une mère abandonner les enfants dans une société matriarcale, après tout. Et ça se fait pas, et elle pourrait faire n'importe quoi pour les garder, etc. On est plein de préjugés parce qu'on touche à des choses très dures et très profondes. Et elle les démolit, ces préjugés. Parce qu'à la fin, tu te dis, mais elle a raison, parce qu'elle ne peut pas. Je me dis, mon Dieu, c'est cette femme qui est traitée de tous les noms, parce qu'on dit que c'est la dépravation, c'est notre côté social contre lequel il faut lutter contre la dépravation, et tout ça, c'est contre ces gens-là qui luttent. Mais on ne cherche pas à comprendre les vies, on n'apporte pas des solutions d'aide, en tout cas je parle de ce que j'ai pu vivre en moi, d'aide autre que la punition.
Ada, elle vole un portable. Son fils vole un portable, il prend 6 mois de prison, il vole un portable. Elle, elle vole un portable, elle me dit pour. Parce que, ben. Moi, je ne sais pas, quand, je me dis que quand on est 3 jours dans la rue et qu'on n'a pas. Qu'on rentre à la maison et qu'on ne sait pas faire manger ses enfants parce qu'on n'a pas de travail et qu'on n'a rien et on n'a plus de mari parce qu'il est parti et qu'il a laissé les 4 enfants, la femme des 4 enfants, et que le système n'aide pas, je ne comprends pas qu'on puisse mettre en prison. Encore plus que de mourir. Et lui d'apporter une aide.